Et salut à tous les amis et bienvenue sur une vidéo spéciale pour mes 200 000 abonnés et mes quasiment 10 ans sur Minecraft. Oh purée. Donc je vais vous mettre pas toutes mes constructions parce que vraiment il y a beaucoup de constructions, même beaucoup que certains ne connaissent pas du tout que j'ai pu faire. Donc je vais vous mettre celles qui m'ont le plus marqué, on va dire, hein, donc dans mon histoire dans Minecraft depuis quasiment 10 ans. Alors du coup, quand même, merci encore à tous, hein, donc de votre confiance et pour ces 200 000 abonnés, hein, donc merci énormément, hein, je vous embrasse, c'est vraiment adorable. Alors du coup, c'est parti mon kiki, on va partir pas toujours par ordre chronologique, mais on va démarrer quand même par ma première map. Allez, c'est parti pour un envol de 10 ans dans Minecraft. Et voici ma première maison dans Minecraft, avec quelques constructions un peu plus loin par là. Et puis mon premier château que j'ai fait dans Minecraft. Alors c'était embêtant parce qu'on était limité à 128 de hauteur, on pouvait pas monter plus haut. Et donc du coup là j'étais limité à cause de la montagne. Et donc bon, j'avais fait quand même toute une cité. Hein, j'ai joué un petit peu avec mon clan WG et beaucoup tout seul pendant presque un an, hein, pour construire tout ça. Donc il y a pas mal de constructions très différentes. Hein. Donc avec des tests de tout et ma première cathédrale, hein, qui ressemble beaucoup à celle de Chartres mais à l'échelle 1 à peu près. Donc évidemment voilà quoi. Oh purée, ça fait drôle de revoir tout ça, c'est incroyable. Donc ça c'était 2011-2012. Purée, il y a déjà du cube de poser là. Bon, il y a des choses très simples, hein. Il n'y a pas beaucoup de détails, tout ça, mais bon, c'était les débuts du début du Minecraft. On n'avait même pas encore les escaliers à l'envers. Donc on faisait comme on pouvait à cet endroit. Thank you.
les amis, et voilà. Donc une vidéo qui fait un peu drôle, hein, parce que dis donc, j'en ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur Minecraft. Donc à construire des tas de trucs, hein. Et en plus je pense que je vous ai pas tout montré. Il y a certaines maps, j'avais fait un début de palais russe, j'ai fait pas mal d'autres trucs, mais je peux pas tout montrer, ou aujourd'hui il me reste plus que soit des screens ou des petits bouts de vidéos pas terribles, donc sur certaines constructions j'ai pu faire, mais voilà, vous vous rendez compte un petit peu de tout ce qu'on peut construire en à peu près 10 ans de Minecraft, hein, c'est assez impressionnant. Et donc là, on est sur la saison 5 d'Holicube. Hein, vous avez eu le petit bout du trailer tout à l'heure, hein, sur les saisons d'Holicube. Donc du coup, et l'histoire n'est pas terminée. Hein, mais je voulais vous faire quand même une vidéo récapitulative de tout ce que j'ai pu construire, ou presque, soit seul, soit avec des copains, que ça soit la Team Eventime, les Maçons du Cube, ou quelques amis au sein de cette team, avec qui on a passé des moments fantastiques. Voilà les amis, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé beaucoup de temps de recherche, de vidéos, de tout ça, je peux vous dire. J'ai passé du temps, mais bon, ça valait le coup. Et donc, je vous fais plein de gros bisous. Encore un énorme merci pour tous les 200 000 abonnés. Je vous embrasse très fort et rendez-vous sur de prochaines aventures. Allez, salut les amis, tchou tchou.